Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous, je vais revenir sur Polkadot, donc le DOT. Donc le DOT ici en daily. Donc j'ai une hausse ici, un retracement, un BCA ARST, un SC. J'ai une réaccumulation qui se met en place. Le AR qui s'est mis là, j'ai une purge sur le AR ici avec une prise de liquidité du BCST. J'ai un retracement ici et j'ai une zone ici d'accumulation qui se met en place. Donc cette zone d'accumulation amènera le prix ici vers le haut pour un retest du niveau avant d'un plongeon ici sous le SC, sous les 10 dollars, pour votre information. Donc ici sur le daily, donc long terme, on aurait ici donc cette zone d'accu là, emmènerait le prix ici vers le haut pour un retest ici du niveau, d'accord, pour après une rechute ici vers le bas pour aller chercher les 10 dollars, pour votre information, au niveau technique, je parle bien sûr au niveau technique. Ok, maintenant on va se concentrer sur la petite partie qui est ici. Donc ici, j'ai ici une chute, une descente, donc un arrêt de la tendance, une hausse, une prise de liquidité ici, une hausse ici, une deuxième prise de liquidité. On a pris deux fois la liquidité. Donc là, on est sur une bonne schématique pour repartir haussier vers le haut. Et on a eu la belle intention haussière ici avec une prise de liquidité de ce niveau-là. Donc j'attendrai ici un dernier retest du niveau ou une dernière prise de liquidité. J'irai plutôt un retest ou une prise de liquidité, un des deux, sur la bonne zone ici acheteuse. Si on regarde bien par rapport à la ligne des 50, nous sommes bien sûr en zone discount. Donc la zone acheteuse est ici à favoriser. Bien sûr, on peut faire un achat vu qu'on est en discount pour aller chercher bien sûr la zone premium. On a le niveau ici des 41, 42 dollars ou 47 dollars. Donc, on pourra aller chercher cette zone-là. Voilà pour votre information. Au niveau de la supply, j'ai une supply à 1,1 milliard d'euros. Et la supply en circulation est de 1 milliard. Donc, pratiquement tous les jetons sont en circulation. Et le prix est à 27,20. Donc, pour moi, très envisageable d'un achat sur Polkadot, sur un retest ici, le mettre en portefeuille et aller chercher une performance qui pourrait être correcte. Dans ces zones-là, on va dire si on hop, on prend ici un retest, on va chercher d'ici cette zone 77% ou cette zone à 100%. Voilà sur ce pour Polkadot, ce que je vois personnellement. Ok, voilà, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, si le trading était avec vous.